Petit fleur. C'est gentil. Merci Michael. Je m'appelle Michael Gutmann, Misha Gutmann, Misha Borisovich Gutmann. Ja, Skripach, je suis violoniste. Je suis d'origine russe, ukrainienne. Mes parents sont de Jytomyr, Kiev, et mes grands-parents. Donc, skripka, c'est le violon, c'est mon instrument. J'ai commencé quand j'avais 5 ans et je joue parfois à Moscou, à Sochi, j'étais à Khabarovsk et à Ekaterinbourg. J'ai beaucoup joué en Russie récemment. Violoniste. Ici, je suis soliste, musique de chambre. Je suis directeur du festival de Pietrasanta en Italie. Printemps du violon à Paris. Odessa Classics à Odessa. Et Pauline Festival à Varsovie. Et directeur de Napa Valley Symphony. Grand orchestre dans la région du vin de Napa. Très très bon. Et soliste et chambriste. Mais j'ai commencé à jouer au début de la crise pour quand tout le monde applaudissait les docteurs et les infirmiers. Donc j'ai joué l'hymne belge, l'hymne européen et j'ai joué l'hymne italien parce que l'Italie était très désaffectée. Et ça a eu beaucoup de. Des amis ont envoyé ça en Italie et un sénateur m'a remercié, etc. Et puis j'ai vu que les gens venaient et restaient au balcon pour écouter. Et puis les gens venaient de plus. Alors j'ai commencé à jouer à des choses classiques et voilà. Et c'est comme ça a commencé. C'est devenu concert, petit concert, Malinky concert. Du quartier, oui. Je suis le meilleur violoniste de l'immeuble. Non, mais ça va. C'est très difficile pour les. Enfin, difficile, très différent pour des musiciens qui ont l'habitude de voyager tellement, comme moi, de ne plus voyager. Alors au moins, on a les petits concerts qui font plaisir au public. Parce que je n'aime pas tellement les concerts par internet, Zoom, Doom, Schmoom. Il n'y a pas le public. Moi, je préfère avoir 30 personnes ici qui m'écoutent. Et je vois le visage, je vois les yeux qui sont vraiment avec beaucoup de bonheur. Et ça me suffit. Je ne mets pas tellement sur Facebook non plus. Les résultats sont apparemment mauvais en Belgique, mais les chiffres sont difficiles à comparer. Parce qu'il y a beaucoup de densité ici, de population. Et c'est un pays de transit. Beaucoup de pays, de gens passent à travers la Belgique. Donc on a eu beaucoup de... Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu un problème dans les maisons de retraite, ça c'est clair. Mais au niveau de la population générale, je pense que la Belgique a trouvé un bon équilibre, très belge d'ailleurs, très comme mentalité, du compromis entre confinement et pouvoir sortir, se promener, aller au parc un petit peu. Quand on voit l'Espagne ou l'Italie, c'est vraiment, même la France, c'est tellement contrôlé, c'est très 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 difficile de sortir ou d'autres pays. Donc, la Belgique a trouvé un équilibre, je trouve. Déjà que le confinement était une mesure très dure et que quand on regarde l'histoire en 1969, c'est pas si longtemps. 1958, c'est pas si longtemps. On a eu des pandémies et rien ne s'est arrêté. Maintenant, la valeur de la vie humaine, de chaque vie, est tellement importante et c'est magnifique qu'on veut sauver chaque vie. Avant, c'est comme à la guerre. Avant, on envoyait des gens à la guerre, en 14-18, on mourait par millions. Après, maintenant, s'il y a 3 morts, 4 morts en Amérique, tout ça, chaque vie est importante. Dans la guerre et maintenant dans la pandémie. C'est notre époque. Alors, pour les musiciens qui ont l'habitude de voyager beaucoup, c'est très difficile tout d'un coup de rester comme ça. Le programme change complètement, mais heureusement, on peut toujours travailler son instrument, on peut toujours apprendre de nouvelles choses. C'est l'occasion d'apprendre de nouvelles musiques, de nouvelles partitions. Et c'est ça que je fais. Mais ce qui est difficile, c'est qu'il n'y a pas de travail, il n'y a pas de concert, et ça va durer longtemps. Parce qu'on va d'abord ouvrir les magasins, et puis après on va ouvrir les restaurants, et puis les bars. Et puis seulement on va ouvrir les concerts, peut-être les petits concerts, et puis les grands. Et les sportifs, nous les artistes et les sportifs, on va être en dernier. Donc on est comme si la culture n'était pas essentielle. L'essentiel, c'est pas seulement la nourriture de l'esprit aussi. On verra.
Mais pour les jeunes, c'est très difficile. Ceux qui ont 20 ans, 30 ans, 40 ans, ils doivent travailler. C'est très difficile de s'ils n'ont pas un poste de professeur, s'ils ne sont pas fonctionnaires ou professeurs, c'est très difficile de survivre dans ces encore 6 mois. Il faut que ça revienne. Ça suffit. Basta. Давай. Поработать.